Créée depuis une dizaine d'années, la section féminine du stade Saint-Aubinet continue de se développer chaque année. Alors, au niveau de la section féminine, on a commencé avec les seniors sur la saison 2007-2008 et s'est enchaîné la création de l'école de foot féminin sur la saison de 2009-2010. Aujourd'hui, la section féminine à Saint-Aubin se compose de 57 féminines et répartie du U6 à U13 en mixité. En U15, nous avons une équipe à 7. Et pour les seniors, nous avons une équipe en R2 foot à 11 et une équipe en D1 foot à 7 qui est principalement du foot loisir. Débutante ou confirmée, au sein du groupe senior, chacune possède son propre parcours. Donc moi c'est Christelle, ça fait maintenant 13 ans que je joue au club au Stade Saint-Aubinet. Moi j'ai commencé en 2007 avec une équipe principalement, même essentiellement de filles qui n'avaient jamais joué au foot auparavant. Je m'appelle Marie, donc je suis arrivée au club récemment, en septembre 2019. L'intégration a été vraiment super, les filles nous ont bien intégrées. Je suis arrivée en U11, donc j'ai connu l'évolution du Stade Saint-Aubinet, puisque actuellement je suis en senior. Mon meilleur moment au club, ça reste les rassemblements 100% féminins. C'était composé de petits matchs, de petits jeux, avec plein d'équipes locales. C'était surtout basé sur la convivialité. Mon meilleur souvenir, c'est le déplacement qu'on avait fait à Auray, avec un esprit très convivial. On avait mangé au flunch ensemble. C'était une journée vraiment sympa. Mon meilleur moment au Stade Saint-Aubinet, c'est bien sûr la victoire en Coupe de District en 2017. Où on a fait un parcours vraiment inoubliable avec toutes les joueuses et tous les supporters qui nous ont soutenus tout au long de la compétition. Donc j'en garde vraiment un moment inoubliable. Alors moi, mon parcours avec la section féminine senior a débuté il y a 3 ans, où je faisais uniquement les entraînements et le coach du week-end était Jérémy Nobilet. Et depuis 2 ans, en fin de compte, Jérémy Nobilet est passé responsable de la catégorie féminine. Et moi, j'ai repris en main les seniors féminines, où nous avons commencé avec une seule équipe à 11 et mon but était de créer une deuxième équipe à 7 au niveau loisirs. Les objectifs pour la section féminine est d'arriver d'ici 4 saisons à avoir au minimum 100 licenciés, toutes catégories confondues, pour avoir une équipe dans chaque catégorie 100% féminin et d'arriver à 2 équipes seniors féminines à 11. Pour cela, nous allons continuer les animations diverses qu'on a déjà mis en place avec le cinéma, des journées portes ouvertes. Pour compléter son effectif, le club ne manque pas d'initiatives. Entre tournois féminins, journées portes ouvertes ou encore projections au cinéma, le club souhaite faire découvrir le football auprès du public féminin.